Aujourd'hui, nous allons parler de l'aragonite. Et pour ce faire, nous allons considérer ce magnifique échantillon qui est présenté dans la vitrine. C'est une aragonite coralloïde qui ressemble au corail. Ça, on reviendra dessus. Qu'est-ce que l'aragonite? C'est un carbonate de calcium. On connaît déjà un autre carbonate de calcium, la calcite. Eh bien oui, voilà deux formes possibles de cristallisation et donc de formation de minéraux pour le carbonate de calcium. Alors, coralloïde, qui a la forme du corail. Quand on regarde ce corail, effectivement, il y a une très belle ressemblance entre les deux objets. Alors, il y a un lien encore plus intime, puisque le corail est capable de synthétiser l'aragonite pour former sa structure, le carbonate de calcium qui est présent dans l'eau de mer, et non pas la calcite. Tout comme les coquillages pour former des perles, des revêtements et des coquilles à forme irisée, c'est bien des couches d'aragonite successives qui ont été synthétisées par l'animal pour pouvoir se protéger. Et puis, on synthétise industriellement aussi l'aragonite pour servir de charge dans les papiers, dans les peintures. Mais ça, c'est une autre histoire.